petite information. Philippe Poupeau distribue ses tracts inlassablement. Après des mois d'échecs de négociations avec l'ASCACHAP, le chef des transports Voiron est désabusé. En cause, son principal client refuse de revaloriser le temps de travail des salariés et les livraisons de nuit et impose un prix fixé au kilomètre. Lors d'une réunion de la dernière chance le 30 novembre dernier, l'entreprise a annoncé qu'aucun effort ne serait concédé. La seule concession qu'ils sont prêts à accepter, c'est une augmentation de 6% à partir du 1er janvier jusqu'à fin juin et une résiliation à partir de fin juin, ce qui n'est pas acceptable. 35 chauffeurs à licencier aujourd'hui, c'est un coût à peu près de 600 000 euros. Et les 6% me donneraient 60 000 euros, quoi, je veux dire, 60 000 euros. Donc je veux dire, c'est inacceptable, inacceptable. Si le contrat est rompu, Laurent et Sébastien, salariés depuis 12 ans, risquent de perdre leur emploi. C'est l'inquiétude pour le travail. Pour l'instant, il va peut-être y avoir 60 licenciements. Et ben, à l'heure actuelle, pour retrouver du boulot, c'est pas le top. Donc. On a pas mal de collègues qui ont plus de la cinquantaine, donc ça peut être compliqué quand même pour eux, pour retrouver du travail par la suite. Hein. Voiron assurerait actuellement 25% de l'ensemble des prestations de transport de l'ASCACHAP. Contactés, ces derniers n'ont pas souhaité s'expliquer. La décision du tribunal de commerce d'Angoulême sera rendue ce mercredi.